Je vous salue, mes chers amis de la presse, et pour présence nous là, je salue nous. Nous connaissons que nous sommes les yeux et nous sommes les oreilles de la population. Je salue toute organisation populaire, je salue l'organisation de base, les militants politiques, et sans pas oublier, salue le secteur démocratique et populaire. Et je dis, le premier point d'apprendre, c'est la question élection aux États-Unis. L'arrivée de Biden au pouvoir, que nous connaissons Joe Biden, celui qui est élu président des États-Unis, et avec et Harris, qui est vice-président. Et nous disons que nous voulons félicitations pour les Américains. Nous sommes bravos pour les Américains. Mais nous disons que les Haïtiens, dans le contexte, je ne dis pas, c'est nous-mêmes qui pouvons mettre des garçons sur nous, mettre des femmes sur nous, pour nous continuer le dernier match de bataille avec Jovenel Moïse. Il faut que nous capotions ce système. Ça. Et nous disons que nous allons continuer à battre Jovenel Moïse jusqu'à ce que Jovenel Moïse allait. Avant même le 7 février 2021. Et deuxième point, nous voulons parler des décrets de Jovenel Moïse. Tout le monde a des décrets de Jovenel Moïse là hier. On décret qui est anti-peuple, on décret qui n'est pas constitutionnel du tout. Si on décret qui n'a pas aucun sens, on décret être chaque lié. Et je toujours dit là, je toujours dit que Jovenel Moïse a deux barrières qui sont capables de faire. Jovenel Moïse a volé et Jovenel Moïse a assassiné. Il n'a pas fait rien encore. Il a le destin pour tirer le monde. Il a volé, même j'ai la cour supérieure des comptes. Te mettez nous dans le rapport comme volé, comme notre longue supérieure. Et nous disons comme ça que l'article 200-4 de la Constitution haïtienne clairement dit. Qui voit la Cour supérieure des coups de gagner. Et c'est pour ça que le décret ça est illégal. Josia nous dit que le décret ça, Jovenel Moïse prend, c'est pour qu'il y ait un champ libre de vendre pour le voler. Parce qu'il n'y a pas de parlement qui a contrôlé, pas de Cour supérieure des coups qui a contrôlé encore, il est libre pour le voler. Point, mais Jovenel Moïse, tout le monde connaît son voler, et nous parlons gourmet pour que le décret ça ne soit pas appliqué en Haïti. Et troisième point, c'est la question de marche. Pas oublier que le 13 novembre, deux ans de cela, il a été assassiné Moun la Salé, il a été tué Moun la Salé. Tout le monde comme ça. C'est un massacre qui est fait. Et le 13 novembre, ça, ensemble organisation, ensemble structure, mettez ensemble pour faire un match dans la mémoire de Moun Sayo. Et le massacre, il n'est pas fait seulement dans la mémoire de Saline. Il n'est pas fait seulement pour Evin Sincère, pour Gregory Saint-Hilaire, pour mettre Doval. Il n'est pas fait pour Badio, il n'est pas fait pour Badou, pour Ghana, pour tout le monde qui tombait en bas du régime sanguiné, en bas du Big Jovenel Moïse. Il n'a fait pour tout le monde qui est quartier populaire, qui met une milice. En des quartiers populaires qui ont tué Mounio, on a fait massacre pour tout le monde en général. C'est pour ça que nous invitons la population hein? Le 13 novembre, vendredi 13, puis on vient à Kafouayopo, on a commencé à 10h, marche là comme ça à 10h à Kafouayopo, on a fini devant la Cour supérieure des comptes, on a passé devant le ministère de la Justice, et pendant la parole du ministère de la Justice là, on a dit qu'on va quitter le CIP, on a dit ça, pour nous terminer. Il y a un rapport qui sorti, MDH a sorti un rapport, 20 octobre 2020. Il y a 11 131 personnes qui sont en prison. La population carcérale haïtienne, c'est 11 131 personnes liées. 20 octobre 2020. En bien, c'est en total 8 809 personnes qui ne peuvent jamais passer devant le juge. Cela veut dire que pendant la libération des prisonniers politiques, il faut que la population carcérale là, avec les gens, avec le régime, qui peuvent coucher bandits, qui peuvent coucher voyous, qui peuvent coucher insécurité, on ne peut pas faire nulle part. C'est pour ça que nous invitons la population pour descendre le 13 novembre dans la rue. Et pour terminer, je vais parler parce que le peuple peut dire. Je dis pour ça que la jeunesse, si vous ne prenez pas nous en main, ne peut pas prendre la main. Merci un peu. Je salue la presse, parler, téléviser, écrit avec les médias en ligne pour gros travail à faire dans la population haïtienne au bénéfice du pays d'Haïti. Maintenant, intervention par nous. C'est sous question de sécurité. Nous clair que l'insécurité a livré nos situations côté que personne n'est pas épargné. Son insécurité qui touche toute couche, tout secteur. Nous avons constaté ça. Secteur religieux a frappé d'insécurité. Secteur droit. Qui sont avocats touchés par l'insécurité. La jeunesse frappée. La police frappée. Grenègue frappée. Donc, en fait, c'est tout pays qui saccagé par question insécurité. Et je dis à la, comme initiateur et fondateur forme économique de la classe moyenne, pas qu'il n'y a aucun pays qui est capable de faire une économie stable si pas gagner stabilité. Si pas gagner sécurité. Et ça tue nous constatons que l'insécurité
il fabrique même par régime en place là, par régime PHTK, en façon pour faire population peur, pour pas sortir dans la rue à manifester. Donc, son façon pour barrer par sa population, pour pas revendiquer le droit, que c'est celle droit sa constitution par la population, pour dire non à ça qu'a fait au mal. Et bien, maintenant, il crée que nous lançons un message là, et ça lancé avec militants de base, les gens qui sont dans le ghetto, dans tout le pays, les gens qui sont provinciaux, nous disons là, moment ça, c'est mobilisation. Mobilisation contre régime en place là. Mobilisation contre crime d'État. Parce que 13 novembre, cap vini là, qui c'est vendredi, l'a fait de l'année depuis assassin sans foi ni loi, massacre moun la saline. En pile moun tombe, Mek Doval tombe, Grégory Sétilé tombe, Emile Cessé tombe, etc. C'est cause insécurité fabriquée par régime en place là, régime PHTK. Jodi a la, nous demandons à la population haïtienne de lever et camper. Et nous adressons ce message à tout secteur qui est en opposition pour nous porter solidarité. Fantôme 609, nous besoin, population haïtienne nous besoin. N'attendons pas parcours ça. Pas oublier le rendez-vous, c'est Kafou Résistance, là, Kafou Aéroport, jusqu'à 13 novembre 2021. Et c'est là, nous prenons la bataille contre la sécurité. Contre crime d'État, contre massacre, contre toute forme de massacre qui fait sur la population. N'attendons pas le jour de la thèse là, n'attendons toute la population pour permettre que jour ça, ils sont joués ici. Diaspora, population a besoin. Diaspora, n'attendons solidarité parce que faut que la thèse ça, nous baillons PHTK réponse. Et nous avons une bonne gang habillée en policier que le régime PHTK mettait pour le polier police nationale là. Marché tiré sous manifestant. Nous dit, c'est bien compté, mal calculé. Donc, salut la presse écrite par des vignes avec toute camarade militant politique qui est avec nous. Et ma salue Pierre Espérance qui sont gouttes de garçon qui toujours mettent en défense mon saline parce qu'il y a violé les douanes. Et n'a pas appelé population haïtienne, date 13 novembre, ça a fait nous 2 ans depuis malfecté. Sans foi ni loi, tu es rentré la caille, nous, tu es venu massacrer nous. Et nous avons tout profité, rappeler nos gens pour la presse avec la population, toujours qu'un bel dans la mémoire. Nous avons Fidel, mon chéri, nous avons Pierre-Richard Duplan, c'était deux mouns qui étaient dans la tête massacre ça, côté qui, je te dis, nous la saline, pas de droit parce que nous avons fait 17 octobre, pas de fête. Et je dis encore, si nous n'avons pas tué, moi là toujours. Avec le reste militant, avec le reste population, nous sommes tous les gens qui parlent de nous pour faire nous la saline, jeune justice. Et nous avons dit, dans la date qui a fait nous 2 ans depuis que nous avons assassiné nous, date ça, nous avons marché avec tout secteur, avec tout militant politique, nous avons organisé dans la Kafou Résistance, côté que nous avons toute femme, tous les amis qui ont été victimes dans la date ça. Et nous avons salué la presse qui est toujours capable de bon côté nous. À chaque ça qui fait, nous dé, qui aide nous dénoncer ça. Et nous disons, Jovenel, après tout ce qu'on a fait, mais nous la saline, ou pas qu'à tuer tout. Et nous disons encore, avec militants la saline, ça qui, dans tout coin, nous connaissons la saline, je dis à vous, pas bouquet dans le bouche, il n'y a pas qu'à parler, il n'y a pas qu'à marcher. Et nous disons, il y a des gens avec vous. Et nous disons, secteur populaire, secteur démocratique là, nous disons, bataille moun la saline a fait a fait pour yo m pas souhaité yo quitter moun la saline pour compte parce que je dis à moun la saline a vivre dans toutes mauvaises conditions, il a vivre tout côté, il a vivre mal. Et m'étais dénoncé ça déjà. Moi te dit si l'autre quartier à côté nous yo depuis yo pas parlé des massacres que fait la saline là, massacre va arriver et tout. La preuve très grand, mais yo fait le Belin, yo fait le pont rouge, yo fait le Tokyo. Ça c'est toi qui est l'achat là derrière. C'est ça qui fait nous dire que nous tous mettons ensemble date 13 là. Caprivé là, qui fait nous 2 ans, et puis pour nous déchouquer Jovenel dans le premier match ça n'a fait, et puis pour continuer jusqu'à 2021. Nous disons merci la presse, passez message là pour nous, parce que Fidel mon chéri, Pierre Richard Duplan, nous ne savons pas arrêter, puis marcher sur mon bon plan après tout le massacre. Je vous dis, il est clair que nous avons un pays qui n'est ni dirigé ni administré.
Et ceci, c'est un constat fait par tout le monde. Je dis à nous-mêmes, au niveau d'Alliance PEP, de leurs autres organisations de base, les organisations politiques, nous a présenté conférence de presse dans l'idée d'une marche qui a fait le 13 novembre 2020. Et marche ça, c'est pour capable quelque sorte de dire non à l'insécurité. C'est pour nous dire non à la vie chère. C'est pour nous dire non à l'illégalité. Non à l'impunité. C'est ça, marche ça traduit. Et marche ça tout, au niveau de l'Alliance Peuple nous-mêmes, marche ça, c'est l'annonce pour que nous capables, quelque sorte, de capoter définitivement le régime sanguinaire, le régime totalitaire de Jovenel Moïse. Machin l'a commencé à partir de Carrefour de la Roue. Et vous n'êtes pas sans savoir que Carrefour de la Roue, et il y a de cela quelques temps, l'irrelé Carrefour de résistance. Maintenant, on a commencé là. Nous allons continuer pour déposer une jeune fleur côté cueillette à bien jeter Evelyne Saint-Cyr. Nous-mêmes, au niveau d'Alliance PEP, nous sympathisons nous à la famille Saint-Cyr. C'est un coup dur pour la famille. Mais écoutez, ce phénomène, ou du moins ça, les causes sont profondes. Nous-mêmes, au niveau d'Alliance PEP, nous ne regardons pas en quelque sorte cela de manière rudimentaire, de manière simpliste. Nous avons des yeux scientifiques au regard de cela. Et c'est une cause qui est extrêmement fondamentale. Mais aller au-delà de ça, de la délinquance juvénile dans cette société. C'est pour ça, nous-mêmes, nous allons déposer j'aime fleur ça. On a continué pour aller devant la Cour des comptes. Nous connaissons que Jovenel pour un décret tête chargée. Un décret anticonstitutionnel. Un décret qui est extrêmement illégal. Tout le monde qui font même premier année de droit, nous connaissons que c'est une loi qui abroge une loi. Un décret abroge un décret. Nous ne connaissons pas côté Jovenel, Fouen, eh bien, bagaille tête chargée ça, et que lui-même l'y fait. Mais pas oublier que le décret de Jovenel Moïse est très tendancieux. Vous connaissez pour qui raison qu'il fait. On nous connaît que toute contrainte que M. Téjoine a bien vis-à-vis de la Cour des comptes et du contentieux administratif, il connaît pertinemment ça. Parce que, eh bien, Jovenel Moïse, eh bien, voulait à la fin de son mandat pour qu'il soit capable de saper, violer tous les principes préalablement établis. C'est peut-être ça nous-mêmes. Nous dit non à cela. Même au niveau de l'Alliance PEP et les autres organisations, après le marché, et marche c'est l'annonce même pour 18 novembre qui c'est dernier coup de tiroir pour enterrer Jovenel Moïse. Voilà en quelque sorte la raison de cette marche. D'accord, merci. Moi, je salue toute la population haïtienne, capitaine de moi. Non, pas moi, c'est Nico Plézi. Nous-mêmes, en tant que staff Nico Plézi et Haïti par Pouvan, nous-mêmes, nous mettons la bataille ça, c'est juste pour nous capables de combattre le régime tête calée. Côté à faire population haïtienne, passer misère. Côté à faire injustice sur petite population. Côté à faire violence sur yo. Côté à garder yo armé, si malheureux. Côté parents qui fait éducation yo, yo voyez l'école, que pour ta baillo. Et bourse études à étudier aux États-Unis ou bien dans un pays quelconque, il n'y a pas ni deux ni trois bagages pour faire ces armées puisque vous êtes capable de tuer l'autre. Monsieur, vous êtes innocent dans cette affaire parce que vous même vous n'avez pas assez d'opportunités pour vous capable acheter des armes aux États-Unis. Ni tout vous même vous n'avez pas accès pour faire des déplacements pour des armes. C'est sénateur, c'est député, c'est président. C'est ministre qui a mis monsieur dans le ghetto. Il y a monsieur qui va avoir volonté pour entrer dans le bandit. C'est situation la vie
qui mette là-dedans. Les grands nègres, yo grands amis, yo mettent plan meyo pour yo capable détruire une autre. Non, bagala va supposer comme ça. C'est Jovenel qui méchant, c'est secteur privé qui méchant, c'est Trump qui méchant parce que nèg yo pas acheter zam. Côté nèg yo pas venir pour acheter zam. Le wap gade, si nèg yo te gè pour acheter zam. Mes amis, et là état sa vie, gen nèg glangé to. Zam nan lan meyo, c'est en bas béton y a dormi. C'est l'en fatra a dormi avec zam. Est-ce que yon moun ta remis mette tête en condition pour pas même circuler et aller voir pour ta même privé en position pour ta wè, li même en tant que citoyen pour la von zam pour la dormi nan fatra. Gen yon site solem qu'on a gade yo. C'est pas yon gen volonté ya, mais c'est gouvernement yo ta prase pays ya. Li même nous dit non en tant que staff ni pour plaisir. Nous Haïti pas pour vendre. Nous pas d'accord pour payer arrêter dans situation ça. Faut bagaille changer avec régime PHTK ça. Et pour raison pour laquelle vendredi 13 novembre 2020, n'a organisé marche ça dans Kafou aéroport pour arriver devant ministère de la justice. Ouais pas ouais, faut marche ça organisé. N'a tente toute population haïtienne pour capable mobiliser tout militant conséquent. Nous connaît Kafou aéroport, son Kafou de résistance. Nous même n'a tente nous toutes sans vie regarder, machin pour qu'il réussisse quand même. Merci. Allez, l'eau.